C'est le temps maintenant de mettre notre fraise de crevette. Quelles sont les épices que j'ai mis ici? J'ai mis le ail, j'ai mis un peu du sel et puis le zeste. Donc, ce sont le mélange des épices. Et puis, laisser un peu de temps que ça puisse entrer. Et puis, vous allez mettre pour griller. Voilà. Voilà, regardez vous-même. Les épices sont déjà prêtes. Et puis, on met quoi? On met les dents. Donc, déjà bien lavé, bien coupé. Et puis, les feuilles de laurier. Le piment, ça va aller après. Après, tournez seulement votre dongo dongo. Regardez vous-même. On laisse tourner. Ok, maintenant c'est le temps de mettre le shrimp, d'amener le crevette. On met notre crevette dedans et puis on va mettre les solo les goûts de ça. Le goût de ça, mes amis. Regardez vous-même. Peut-être que vous n'avez jamais mangé comme ça. Mais je vous assure, essayez. C'est très bon. C'est vraiment bon. Je vais mettre un peu d'eau et puis attendre. Du sel. Le sel dépend de la façon dont vous aimez. Maria. Et puis je mets un peu d'eau. L'eau qu'on va mettre, c'est la sauce de notre recette. Vous voyez? Pas trop d'eau. Laissez le shrimp cuire. Je mets un peu. Du sel. Voilà, après on attend quelques minutes et puis c'est tout. Voilà, regardez vous-même, regardez la nourriture, c'est vraiment bon. Vous voyez, vous êtes déjà habitué, vous êtes toujours habitué de couper, mais vous pouvez aussi mettre comme ça. Voilà, regardez vous-même. Ouh, le goût de ça, j'ai bien mangé avec les fufu. Il y a de shrimp dedans. Ça donne l'envie. Vous voyez? Et les solos. Regardez vous-même. N'est-ce pas? C'est bon comme ça. Bon appétit. On mange ça avec quoi? On mange ça avec notre poisson frais. Ça, c'est les légumes. Je vous assure, vous allez adorer. Bon appétit. Et n'oubliez pas de vous souscrire, de vous abonner plutôt sur ma chaîne YouTube Malou Kilala. Je vous attends. Venez nombreux les amis. Venez, il y a des recettes à faire. Je vous aime beaucoup. Merci. Bye.